Pour l'épisode numéro 9 de l'Apocalypse Challenge. Comme vous l'avez vu dans le dernier épisode, les bébés ont donc grandi, se sont devenus de magnifiques bambins. Bambins qui n'ont ni canapé, ni lit où dormir, ni jouer ou se divertir. À rien. Walou, rien. En plus, vous le savez, les bambins, ça ne mange pas les fruits périmés, donc il va falloir aller leur faire à manger tous les jours. Mais bien entendu, je n'ai pas de grille, puisque je crois qu'Angelo avait mis le feu. Et donc, il faut qu'on aille faire à manger au parc tous les jours. Donc, il va falloir aller faire à manger au parc tous les jours pour que ces magnifiques enfants puissent se nourrir. Donc, autant vous dire, on va galérer. On n'a toujours pas assez d'argent pour payer les factures, ces fameuses maudites factures qu'on traîne depuis 3 ou 4 épisodes. Donc, je ne peux rien acheter, je ne peux rien faire. C'est la galère. Donc, on attendait aussi que Angelo rentre du travail. J'aurais bien aimé qu'il ait une promotion, mais ça va pas être possible. Est-ce que Dina travaille? C'est très bien ça, c'est une bonne idée de travailler, Dina. Donc je ne sais pas si à eux deux, ils vont me ramener assez de thunes. Oh, je suis pas convaincue, on va dire. Mais, on va bien voir. Allez, on est parti. Enfin, il y a déjà des... ils vont déjà mal, ces enfants, c'est pas possible. Vous venez de commencer, les gars? Eh, vous venez d'arriver, t'es fatigué, Badu. Alors, il faut que je t'explique. Comment tu t'appelles, toi, déjà? Serena. Serena, ma chérie, il faut que je t'explique. Si tu veux dormir, tu vois la moquette, là? Eh ben, tu t'allonges dessus, tu fermes les yeux, et attends que ça vienne, d'accord? Parce qu'il n'y a que ça comme solution, ok? J'ai rien. Ou alors, tu grimpes dans ton berceau de bébé, là, et... Mais j'ai rien d'autre à te proposer. Je crois que ta mère est partie... Ah mais ramasser des fruits, si c'est fort possible. Voilà. Et puis après, elle ira... Ah, c'était peut-être pas ça qu'il fallait faire. Oh, merde. Qu'est-ce que j'ai foutu? Oh, je suis pas sûre qu'il fallait provoquer. C'est pas grave, elle a débloqué sa restriction. Au pire, si elle meurt, on s'en sort bien. Elle est contente. Allez, récolte un fruit bizarre. Allez, récolte. Et puis, bah écoute, va le cuisiner tout de suite, hein, ma grande, hein, parce que clairement, ça sert à rien d'attendre. Griller, bah, un fruit grillé, quoi. Pff, oh, il va jamais avoir sa promo, c'est pas possible. Il faut vraiment qu'on s'en sorte... De ces factures là, c'est plus possible de même pas. Enfin, je peux plus rien faire quoi. Non, tu vas pas laisser ça sur la table. T'as cru que. Un concurrent contacte Angelo pour essayer de le débaucher. Non, reste fidèle. Là. Ouh là là. Ouh. Ouh. Oh. Oh mon dieu. Non mais quand je vous dis que la fidélité ça paye. On a de quoi payer les factures, ça y est. Oh, en plus, c'est génial parce que je vais les payer tout de suite. Je vais remettre à zéro. Et après, ça veut dire que l'argent qu'il va gagner aujourd'hui, on va pouvoir s'en servir tout de suite, genre pour acheter des lits aux filles et tout. Oh là 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 là, la vache. Je crois que c'est la meilleure nouvelle depuis le début de l'apocalypse. Alors, attendez. Déjà, mettre dans l'inventaire. Et ensuite... Oula, j'en peux plus. Je suis comme ça, là. Paye les factures, ma chérie, mais genre paye les factures vite. Genre, voilà, paye vite les factures, fais chauffer la CB, là. Et après, tu rentres manger, mettre ça dans le... Magnifique. Donc maintenant, je mets l'argent à zéro, c'est bien nécessaire. Et ça y est, on a fini, on a de l'eau, de l'électricité, on a payé les factures. Et comme en plus Dina, elle est au sommet de sa carrière et qu'elle a débloqué la restriction, dès qu'on a un peu d'argent, on va pouvoir remplacer le gris et acheter du lit pour les filles. Franchement, je suis trop contente. Oh là là, je vous jure, je pensais... tout ce que j'espérais, c'est que la carte chance du boulot, ça allait pas être un truc pourri et tout.
Et au final, ça me rapporte 1000 simflouz, mais le truc de fou. Bon Dieu, la roue tourne, les gars. Ah, je suis trop contente. Je suis trop contente. Ah, je vous jure, je crois que c'est la meilleure nouvelle depuis le début de cette apo, quoi. La dernière fois que j'ai été comme ça, c'est quand on a croisé Dina en ville, quoi. Allez, on va faire manger les enfants. Et promis, les filles, dès que votre père... Ah bah non, du coup, il faut que je le mette dans l'inventaire de Fire. Dès que votre père revient avec un petit peu de thune, c'est pour vous. Allez, tenez, mangez déjà. Hop. Allez, prendre une portion. Par contre, après, il faut toujours dormir par terre. Hein. Ça, je te le dis, ça n'a pas changé. Hein. Mais au moins, vous ne mourrez pas de faim, les filles. Je suis trop contente, bordel! Oh, j'ai hâte qu'il rentre du travail, il va pouvoir bosser ses compétences du jour et tout. L'électricité et l'eau, les gars. Oh, ça fait tellement longtemps qu'ils n'avaient pas vu la lumière. Regarde, tu vas pouvoir te laver, Dina, regarde. Enfin, te laver, bon, bah, toujours au lavabo, hein, bien sûr. On n'est pas encore, on n'en est pas là, hein, mais... Regarde, de l'eau. Oh, c'est beau. Même elle... Ah oui, non, bah, de l'eau, qui dit de l'eau, dit des plantes. Allez. Ah, on va mettre ça au frigo, non, je déconne. Bon, bah ça, du coup, on va pouvoir le jeter, hein, parce que, de toute façon... Maintenant, ça va être fruits frais à volonté. Grosse ambiance. Non, alors, c'est pas la peine de venir pleurer que t'es fatiguée, parce qu'en fait, je t'ai expliqué comment il fallait faire. Bon, vas-y, continue de te laver, hein, de toute façon. Ah, c'est pour poser vos assiettes sales, elles sont gentilles. Alors. Ah, qu'est-ce que c'est? 600. Bon, c'est pas le top, mais direct, on va pouvoir acheter un lit, les filles. C'est pas beau. Elle est pas belle, la vie. Alors, un ou deux lits? Je sais pas trop parce que je sais plus combien ça coûte un lit, je me cacherai pas. Alors la priorité ça va être un lit. Ça c'est 160 et ça c'est 100. Ah merde, il est moins cher. Je préférais celui-là mais... Mais on va dire que je triche parce qu'il est moins cher. Au pire j'enlèverai 60. Je vais m'enlever. Je vais en prendre deux et j'enlèverai 120 simflouz de ma cagnotte. Parce que énergie 1, donc ça c'est bon. Mais j'enlèverai ce qu'il faut. C'est juste que je le trouve plus joli. Voilà. Il reste encore un peu de sous. qu'est-ce qu'on va acheter? On va remplacer le gris, hein, ça me paraît... cela me paraît être la base. Merde, j'aurais pas dû le déplacer, pardon. Donc, ah, on peut pas. Bon, et ben, on va acheter... combien ça coûte une commode pour qu'on puisse changer tout le monde, hein, parce que Dina, elle a quand même fait ça aussi pour qu'on puisse changer sa gueule, hein, tu vois. Donc, quand même pas oublier la base. Combien ça coûte une commode? Ah ouais, une commode, là. Alors, je préfère celle-là. Mais vu le prix, on va dire que je préfère celle-là. oui, je suis sélective, hein, moi, comme fille. Voilà. Il reste encore un peu de sous. Alors, est-ce que je prendrais pas un truc avant de me faire tomber sur la tête par les... des genres des jouets? Pour qu'elles puissent un peu bosser leurs compétences. Parce que ce serait bien si elles arrivaient à avoir 3 partout. Du coup, il me faudrait un pot. C'est pareil, j'aime bien celui-là, mais il est... Donc là, si je prends le CC tout à l'heure, plus le pot, ça faisait déjà 120 simflouz que je devais. Et là, 30 en moins, donc ça fait... J'enlève 150 simflouz. Allez, on met le pot là. Allez. Donc un pot, c'est pas mal. Des cubes. Là, si je prends les cubes, je peux pas enlever l'argent. Donc on va juste prendre une voiture en bois pour l'instant.
C'est-à-dire qu'elles n'ont qu'un seul jouet pour deux. C'est chaud. Bon, on va mettre à contribution les adultes. Hein. Et donc, j'ai dit que j'enlevais 150 simfous parce que j'ai pris des CC qui coûtaient moins cher que les objets du jeu. Donc, de toute façon, elle va aller travailler. Ça va rapporter des sous. Je pourrais peut-être prendre les cubes après. Donc, on a dit que j'enlevais 150. Donc, il reste 15 simfous. C'est parti vite, hein, quand même. Hein, Boudiou. Voilà. Magnifique. Non, moi, mais il était triché quand même. Par contre, qu'est-ce que ça m'enquiquine là, ce berceau en plein milieu du chemin. Il va vite falloir qu'il y en ait un qui s'occupe de la carrière culturiste là, parce que ça va pas me plaire longtemps. Et bah, let's go les filles. Bon, bah, les filles au lit, hein, je pense. Hein. Est-ce que vous allez pouvoir monter les escaliers? Je sais plus. Je sais pas trop. On va essayer. Et puis. Ah bah non, elles peuvent pas. Donc, Angelo, c'est à toi de bosser. Prendre dans ses bras. Il va aller les coucher une par une. Hein. Et après, il ira dans le CAS, les gars. Wouhou ! Pour un petit changement de look de toute la famille. C'est Crimstina est dans la place, les gars. Voilà, voilà. J'en dis pas plus. Ah, Serena est tombée de... Ah. Non, Serena, elle n'a pas eu la patience d'attendre que papa vienne la chercher, hein. Alors, dans l'absolu, je t'avais parlé de la moquette, tu vois, pas du carrelage, quoi. Enfin, après, c'est comme tu veux, hein. Et elle a tout cassé, bien sûr, parce que... Et elle va au travail mal à l'aise. Bon, on s'en fiche parce que, techniquement, elle est déjà au sommet de sa carrière, elle peut pas aller plus haut. J'ai envie aussi de relooker un peu Angelo parce que finalement, à force, je suis pas fan de la crête, surtout en costard, ça fait un peu étrange. Alors, c'est un peu un mélange des genres, hein. Pourquoi pas, mais en vrai, je suis pas fan. Donc, j'ai effectué un petit relooking hors caméra de toute la famille parce que c'était un petit peu long pour la mettre dans la vidéo. Donc, voilà le nouveau portrait d'Angelo. Voilà, j'ai laissé un peu pousser la mèche un peu ondulée, tout ça. On a revu un peu le dessin des sourcils, la beubare, tout ça. Mais le changement le plus radical, bien entendu, est chez la mademoiselle Dina. Parce que Dina, moi, j'en peux plus. Le jaune pisseux, c'est bon, ras-le-bol. C'est pas une couleur, ça, c'est... Je sais pas, mais c'est pas une couleur. Donc, changement de couleur de cheveux. Alors, ne me demandez pas où elle a trouvé sa couleur de cheveux. Dans un apocalypse, je m'en fous. Hein, on s'en bat les steaks. Donc voilà, changement de couleur de cheveux. J'ai aussi revu un peu le maquillage et la tenue. Voilà, alors j'ai fait simple, hein, on est en plein apo. Hein, la robe de soirée, on verra plus tard. J'ai aussi revu un petit peu les coupes de cheveux des filles. Donc oui, là on retrouve le jeune pisseux de sa mère. On verra plus tard, hein, ça sera changé plus tard. Et du coup, pour Valentina, elle est brune, elle est toujours brune. J'ai juste pour elle changé effectivement voilà, sa tenue du jour. Parce que j'étais pas fan de la première. Mais voilà, toute la famille est là. On verra plus tard du coup pour relooker les filles quand elles seront un peu plus grandes. Et je pense que Serena perdra assez rapidement effectivement son jaune pisseux. Allez, on est reparti. Donc bien sûr, allez savoir pourquoi tout le monde est sorti du lit. Donc allez, rebolote. On remet tout le monde dans le lit. Ah si, c'est ça qu'il faut absolument que j'achète dès que Dina rentre. C'est une veilleuse. Vous savez, pour pas qu'elle ait des cauchemars la nuit, là, parce que sinon, ça va être chiant. Et toi, tu fais quoi? Tu bosses tes tâches du jour? C'est bien, mon petit. Peut-être, je dis bien peut-être, que demain, avec la tâche du jour qui sera accomplie, on va essayer de le faire partir de bonne humeur. Il est potentiellement possible qu'il nous ramène une petite promo. Ça serait quand même pas mal du tout. Ah oui, il y a le gris aussi qu'il faut qu'on achète. Non, parce que moi je m'emballe. Ouais, va acheter des cubes, va acheter des... En fait, il faut un gris surtout. Parce que là, sinon, faut aller faire à bouffer là-bas tous les jours. Ah, il y a Serena qui est réveillée. Pourquoi ? Oh, je savais qu'elle allait faire un cauchemar. Alors, je sais pas si la veilleuse fonctionne pour les bambins. Ça va être l'occasion de le tester. Il est là. Mais alors, on va leur en mettre une pour deux, hein, parce que les teintes sont dures. Hein. Ben, lave-toi, elle attend aussi. Oh,
Ben oui, regarde, je pue la mort. Je suis belle, mais je pue la mort. Allez. Encore? Oh, bon Dieu. Ils vont pas y arriver. Moi, je vous dis, ils ne vont pas y arriver. T'aurais pas faim, au pire. Bah, écoute, va faire pipi. Oui, bah, c'est l'apocalypse et vous êtes en couple. Hein. Tu peux pisser pendant qu'il nettoie l'évier. Hein. J'ai envie de te dire, on n'est pas après. C'est bon? Are you propre? Pas du tout. Oui. Tremblement de terre, ça réveille pas les filles, c'est cool. Il y a que dans les Sims, hein, quand même. Tu te manges un tremblement de terre dans ta gueule, ça réveille même pas tes enfants, quoi. Ah bah, il a peur des bestioles, il a peur des plantes. Et bah, t'es pas dans la merde, hein. Allez, tout le monde dort. Profitons de ce moment de calme et de bonheur. Nous n'avons personne à nous occuper. Et on a de l'argent en banque, et de l'électricité, et de l'eau. À quelle heure tu bosses, gars? Dans 3. Bon, il faut absolument qu'il soit de bonne humeur, hein, ce matin. Tu sais quoi, Dina? Toi, tu travailles que ce soir. Alors, le mieux, c'est quand même que tu t'arranges pour que monsieur se sente bien dans sa vie. Et des fois, c'est lui qui s'occupait que tu sois bien aussi, hein. Allez, on y va. Comme ça, quand il va se lever, ça sera même pas dégueulasse, tout ça. Voilà. Donc maintenant, il se lève, il vient se laver. Avec un peu de chance, je vais pouvoir lui faire jouer aux échecs. Voilà. Voilà, la maison, elle est propre, c'est rangé, il n'y a pas de plantes. Tu te laves, tu te sens bien. Jouer. Réfléchir à une stratégie. Allez, hop. Par contre, du coup, je vais peut-être monter les jouets et tout ça à l'étage. Parce que j'ai quand même l'impression que les filles vont rester à l'étage. Alors, il faut savoir, si vous me connaissez, vous le savez déjà, que je déteste ne pas savoir ce que font mes Sims. Donc je déteste avoir des maisons à étage. Donc autant vous dire que des bambins qui sont à l'étage, ça va être très perturbant pour moi. Mais, faut sortir de sa zone de confort. Allez, tu es concentré. Tu as fait ta tâche du jour, tu vas travailler dur. Ce soir, mon gars, promo. Sinon, tu rentres pas à la maison, je te le dis tout de suite. Hein. Tu dors dehors. Hein. Si t'as pas la promo, tu dors dehors. Et bingo! Bravo à toi, Angelo. Tu as donc obtenu la promotion qu'on attendait depuis si longtemps. Tu vas donc devoir choisir entre investisseur et management. Alors, je vais être honnête avec vous, j'avais l'intention de couper cette vidéo juste après la promo. Le truc, c'est que j'ai plus exactement en tête quelle branche j'avais prévu de lui faire prendre. Donc, on va s'arrêter ici, comme c'était prévu à la base pour cette vidéo, ce qui va me laisser le temps d'aller jeter un œil à mes notes. Et de choisir donc la branche qui m'intéresse, et vous verrez ça dans le prochain épisode. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi, je suis très très contente d'être enfin sortie de la galère. Et vraiment là, je vois l'avenir avec sous un jour un peu plus sympathique. Voilà, je vous fais plein de gros bisous à tous. J'espère que voilà, qu'il vous a plu, et on se retrouve très vite, soit en live, soit pour la suite de cette série. Allez, ciao les amis, à bientôt.